Roseau. Roseau. Tu vois? Il est revenu. Eux aussi. Félix, attention. Regarde, Bozo. Lâche-moi. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau. Dans l'eau, dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo croyait entrer ses invités. Voudrait de vieilles rosses traînent en carrosse, et la fée Carabosse tous y était, moins celle qu'il voulait. Joe, il va falloir un jour me l'expliquer, ce prodige. T'as déjà trouvé des perles dans le fleuve? Des grosses perles, je veux dire. S'il y en a un qui doit le savoir ici, une perle énorme, brillante, irréelle. On raconte des choses. La perle du bonheur. Mais personne n'a jamais trouvé cette perle. C'est une autre légende. L'île d'Orléans jusqu'à Vaudreuil. Elle va tenir le coup. Ouais, c'est trop loin à pied. J'ai réparé vos freins. Ça va donner un coup de main à vos souliers. Pour l'embrayage, il n'y a rien à faire. Au ralenti, ça étouffe. Vous êtes condamné à rouler pour l'éternité. Je m'arrangerai avec l'éternité. Embrayez, embrayez. J'arrive. J'aimerais une histoire chantée. Une histoire chantée? Il n'y a rien de plus facile. Un trottoir dans la nuit, un enfant sous la pluie. Non, papa, c'est du pharmacien. Ah, la chanson du pharmacien. Tu risques d'avoir peur. Non. La fille, en coupant son pain, s'est coupée dedans la main, affolée, en criant, a couru chez le pharmacien. Rendu chez le pharmacien, on cherchait un assassin qui avait tué le pharmacien dans un coin.
Quand la fille est arrivée, on lui a barré le chemin. À cause du sang dans sa main, on lui a barré le chemin. Félix, est-ce que tu penses que c'est vraiment une chanson pour endormir un enfant, ça? Ah. Oui, oui, maman, regarde, je dors déjà. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, mon grand garçon. Emménager. Quel barda. Oh, tu peux parler. Réfugié à Lille. Tu sais, on sera bien mieux ici qu'en ville. Surtout le petit. Montréal, c'est une ville tapageuse, sans cœur. Ici, on peut garder un cheval, des canards, des poules de luxe, hein? Poules chinoises, un rêve. Avec ta poésie, on va se débrouiller pour tous les payer tes rêves. Doudouche. Vivre sans rêve, c'est vivre à la cave. Non, ça. Je vis plutôt avec un enfant toujours dans les nuages. Tu m'as installé. Oui! Pour payer les comptes. Tiens. Je monte. Toi, mon filou, tu vois de la poésie partout. Si tu veux jouer au draveur, mon bonhomme, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est en chantant cet air de jazz. Regarde. Wilson a pris le large. Sur son parka, une fleur sauvage. Et dessus sa tête, un petit nuage. De soleil jusqu'à l'Occident. Ça fait la gic. En plein lac Saint-Jean. Des symphonies dessous les flots. Un homme tout affaire. Seul sur son radeau. Ring, ring. Bob McPherson, ring. Les billots sont pris en aval, McPherson. Arrive, faut creuser un trou pour que ça se dégrafe. On y va? Hey, c'est pas un job pour toi, ça. Avec tes mains pleines de pouces, reste là, c'est pas ton affaire, Félix. Raconte comment on vit, t'es doué pour ça. Je couperai le bois pour le papier, puis toi, tu prendras le papier, puis tu écriras tes mots. Mais attention, mon petit gars. Là aussi, il y a des pièges et des loups. Plus féroce qu'ici. Allez, arrive. Les anges chantaient son air de jazz quand McPherson a pris le large. Sur son parka, la fleur sauvage brillait comme l'étoile des mages et le soleil à l'Occident mettait du rouge sur son vêtement. Des symphonies dessous les flots ont fait éclater le radeau. Les gars! Sonnez cloche du lac Saint-Jean, l'âme de celui qui est. Bouge tes oreilles, mon garçon. Ring. Les billots ont pris courant, et ma main est content, et tout le monde est content. McPherson est content. Tu sais où tu vas?
Tu vois ce que tu cherches? Le sens de ta vie. La perle du roi heureux. Allô? De douche. Je te tire pas du lit, j'espère. Ben oui, Guy, figure-toi, je dormais. 2 heures du matin. Pardonne-moi, mais il faut absolument que je parle à Félix. Une minute. Félix? Félix? M'a fait au téléphone. J'ai rien entendu. Félix, ça te prendrait combien de temps de t'amener ici avec ta guitare? Parfait, fais ça vite. Qu'est-ce qui se passe? Une histoire à m'a faite. C'est en chantant cet air de jazz que Macpherson a pris le large. Sur son parka, une fleur sauvage, et dessus sa tête, un petit nuage. De soleil jusqu'à l'Occident, des diamants plein le lac Saint-Jean, des symphonies dessous les flots, un homme tout seul sur son radeau. C'est en fait, je traverse la ville, un train d'enfer. C'est quoi ces blagues plates? Une occasion unique. Je veux entendre ta meilleure voix, la plus profonde. Tu vois ce que je veux dire, là, le parfait emboutement. Mais c'est quoi ces simagrées? Je te fais enregistrer les bandes pour un disque. Allez, allez, tout de suite, là. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Allez, allez! C'est bon, prépare-toi. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés. Moi, mes souliers ont piétiné la lune. Puis mes souliers ont couché chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, à de l'eau, des rochers, de la boue, des champs et des pleurs de femmes, je peux dire qu'ils ont respecté le curé, le pays, le bon Dieu et l'âme. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Encore les artistes qui viennent enregistrer sur mon dos? Laissez-moi vous expliquer, M. Tidelman. Pourquoi vous ne faites pas vos petites affaires à Radio-Canada? C'est là que vous êtes normalement. You, Lumberjack, what the hell are you doing here? Ma fête. Un petit problème de rien du tout, M. Canetti. Canetti? M. Jacques Canetti? Oui, c'est moi. Le grand, le très grand impresario parisien? Maurice Chevalier, Charles Trenet, Marlène Dietrich, c'est lui. Of course I know. Qu'est-ce que vous cherchez ici, monsieur? Je cherche un Canadien-Français qui chanterait des textes Canadiens-Français. Venez avec moi, monsieur. Vous savez, ce n'est pas des types comme ça qui marchent, hein? Un bon crooner qui chante en américain, ici, that's the best. Écoutez, je réfléchirai, je vous remercie. Monsieur Leclerc. Monsieur Canetti. Merci. On reste en contact. À bientôt. Au revoir. Out. Hey, vite. I don't want to tell you again. Monsieur Kenneth, I'd love to buy a drink. I know a place. Ma fête, tu m'as joué un tour. J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Végéter toute ta vie, gâcher ton talent? Félix, tes textes, personne n'en veut. Alors chante-les toi-même. Je suis pas un chanteur, Guy. Je suis écrivain. Ouais, du genre à surmonter un plaisir. Mais s'il arrivait que la chanson devienne un atout pour ta littérature, hein? Guy. Vous fumez? Une canadienne. Ah. Guy. Merci. Bon, je vous fais monter quelque chose. Vous avez envie de...
Du vin, sandwich, café. Vous allez prendre du vin, les Français prennent tous du vin. Ah non, pas moi. Moi, je bois de l'eau pétillante. En France, j'ai le choix, mais là, j'ai trouvé que celle-ci, un peu curieuse, cette eau, paraît que ça vient de chez les Indiens. Vous connaissez? Ah oui, c'est une source qui a été découverte à Saint-François-du-Lac par Thomas Kiwikichich, à Benaki, justement, d'où le nom. Le goût, c'est un peu moyen. Mais apparemment, ça fait grandir. C'est une de ses propriétés. Charles Kiwikichich, fils de Thomas que j'ai rencontré, fait 6 pieds et demi. 2 mètres? Plus. Un géant. Il en boit depuis qu'il est au monde. Bah, visiblement, ça vous profite aussi. Hein? Et le service, s'il vous plaît. Félix, dans l'histoire. La chambre 17, 3 cafés. T'étais pour quoi? 3 abénikis, s'il vous plaît. Non, 3 abénikis. Merci. Merci beaucoup. Je vous sers l'eau de chef. Ah ben, je veux bien grandir un peu aussi, moi. Alors, Félix, à part celle de cette nuit, vous en avez d'autres? 49. Ah, j'aimerais bien les entendre. Ah, ils sont trop jeunes. Faut qu'une chanson vieillisse. Vous aimez bien prendre un peu de recul, c'est ça? Pour qu'une chanson vive, faut qu'elle passe au moins 4 saisons. Je les mets dans un tiroir, je les sors de temps à autre, je les arpente et je les remets à mûrir. C'est un poète. Un auteur-compositeur, c'est ça que je préfère. Donc, vous avez aimé? J'ai beaucoup apprécié la condition, cette nuit. Croyez-moi, je sais ce que je dis, vous avez un talent à part. Vous êtes rustique, mais très authentique. Pour moi, une bonne chanson, c'est avant tout une musique qu'on retient tout de suite et qu'on aimerait bien siffloter en rentrant chez soi. Et sur laquelle vient un texte. Et vous m'avez soufflé en 3 minutes avec vos souliers. Là, j'ai traversé les prés, je piétinais la lune. C'était merveilleux. Félix, si je vous proposais de m'occuper de vous pendant 5 ans en France, 5 ans. Une éternité. C'est ce que je crains le plus, l'éternité. Pour lancer quelqu'un comme vous d'aussi différent, non, hein, il faut ça. Ça, c'est les 3 baudets. C'est un petit théâtre que j'ai en plein milieu de Montmartre. Et il y a tout le monde. Pierre Dac, Francis Blanche, Darry Cole, Robert Lamoureux, Henri Salvador. Et vous avez votre place là! Avec votre chemise de bûcheron, là. Félix Leclerc, le Canadien. Merci de votre confiance, Monsieur Canetti. Mais si on réfléchissait avant d'ajouter un an de plus à la façade de votre théâtre... Félix. Je t'attends en bas. Faut l'excuser, c'est un artiste. Rendez-vous à l'hôtel, on vous a cherché partout. Ah oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous regardiez d'une manière si intense? Rien. Vraiment, rien. Si, je vous ai observé, vous rêviez à quoi? On s'inquiétait, là, Félix. Je crois que notre Canadien a un petit coup de spleen. Ah non, pas aujourd'hui. C'est vrai, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Montez devant. Montez, mon rêveur. C'est vous qui conduisez? Elle prétend que je conduis comme un pied, alors je la laisse dire. Hein. De toute façon, je préfère avoir un chauffeur. Mmh.
400e. Eh oui. Pour un monsieur qui prétendait « je déteste ça chanter ». Pour moi, Paris, c'était une affaire de 3 jours. Un pour aller, un pour me faire descendre et un pour revenir. L'histoire de traverser l'océan et d'embrasser le pays des ancêtres. Eh ben, c'est raté, Félix. Vous étiez tellement sûr de vous faire massacrer que j'en tremblais pour vous. Vous paraissiez si fort et pourtant tellement décalé. Presque fragile. C'est la 400e. Et vous avez l'air toujours aussi terrifié. Eh bien, c'est parce que j'ai la même fosse que sur la petite scène des 3 Baudets. Baudet. Baudet. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier « Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade, je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. » J'ai bien pensé. C'est 25 minutes qu'il enchaîne, il n'y a pas une réaction. Normalement, ça se passe pas comme ça. Pourtant, j'ai du flair. Hein. Mais tu sais, ce frisson qui parcourt le dos, je crois que je l'ai senti ce soir. Ah, mais tu sais, Jacques, quelquefois, ça se peut que ça marche pas. Non, non, pas à moi. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui, quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Vous l'avez dit, Monsieur Canetti, je suis pas fait pour ça, je suis pas chanteur. Vous en faites pas. Quand ça me plaît vraiment, j'ai aucun doute. Je suis sûr que ça plaira à d'autres. Oh. Dès le premier soir, vous avez conquis Paris. C'était votre voix, bien sûr, mais... Mais il y avait autre chose. C'était votre façon d'être là sans y être tout à fait. J'avais les mains humides. Elles tremblaient comme les feuilles après l'orage. Vous avez de belles mains, Félix. Des mains sensibles. Faites pour écrire de belles choses. Pour capter l'odeur des forêts. Oh. Vous avez une âme, Félix. Une âme. Et ça, le public, il le sait, il le sent. Il ne peut pas se tromper, lui. Ne perdez pas cette âme. Pardon, monsieur. J'avais demandé un billet de parterre et... Ben, c'est au balcon, très loin. Ah oui, mais moi, je ne peux pas l'échanger. Vous comprenez, je suis venue exprès du Québec. Je vais voir ce que je peux faire. Pardon, madame, j'étais déjà là. Une honte. Un véritable scandale. Pardon, madame, mais c'est vrai, là... Vous êtes nouveau, mon petit. Princesse Galitzine. Voici 2 semaines que j'assiste chaque soir au spectacle. 3e rang au centre, toujours là. Et aujourd'hui, on me relègue aux oubliettes. Non. Non, je vais voir ce que je peux faire. Je vais lui donner votre place. Ben alors, Félix, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 fois qu'on vous appelle. Ben, ça l'attend, là. Souffrant? Non. Il y a des jours où je me demande pourquoi je fais ça. Pour qui je le fais, comment je le fais. Pourquoi tous ces doutes? Chaque jour qui se lève est un miracle, Félix. Ça fait un bon bout de temps qu'on travaille ensemble. J'aimerais bien vous offrir quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir. Donnez-moi votre parapluie, Monsieur Canetti. Celui qui vous accompagne toujours. Mon parapluie? Ha ha ha!
viendra-t-elle aujourd'hui? Elle est venue hier, mais il faisait soleil. Ce matin, c'est la neige qui nous ensevelit. Pas un souffle de vie d'une montagne à l'autre. Dessous la poudrerie, venir serait folie. De son moulin à vent, le vent lance du sel. Devant ses grosses joues, un cheval mulet ne tiendrait pas debout. Le vent avec ses fouets lui casseront le cou. Si elle s'aventure jusqu'ici dans ce trou. Ah non, mesdames, désolé, mesdames, monsieur Leclerc ne reçoit personne. Alors, il ne donne pas d'autographe, il ne signe rien du tout. Je suis désolé, je suis obligé de vous refouler. Non, allez. Merci, mesdames, merci. Désolé, monsieur. Jean Dufour, musicologue, musicographe, cogitateur cognitif du spectacle, inconditionnel de Félix Leclerc. Vous ne seriez pas un petit rigolo plutôt? Non, absolument que je vois monsieur Leclerc, c'est très important. Ouais, c'est ça. Allez, tu dégages. Allez, hop là. Ouais, c'est ça. Allez, hop là. Oubliez de vous remettre ça. Une admiratrice. Ah, Jacques a oublié son parapluie. Il m'en a fait cadeau. Mais bah, dis donc. Vous savez qu'il l'a depuis avant la guerre? On se connaissait pas alors, mais on m'a raconté. Il est juif. Bah, il paraît qu'il l'ouvrait même en plein soleil. C'était pour se cacher le visage. C'était son masque. Sa protection contre les nazis, sûrement. Puis là, grâce à Françoise Rosé, il a passé en Algérie. C'est là qu'on s'est rencontrés, à Radio France. C'est un beau cadeau. Champagne? Oui, monsieur Kennedy, tout de suite. Claire, une livraison express de la part d'une dame. Vous voyez pas que vous dérangez? Ah. Bon, écoutez, je suis pas vraiment fleuriste, mais pour arriver jusqu'à vous, c'est tout ce que j'ai trouvé. Merci, madame. Écoutez-moi, monsieur Leclerc, je vous demande juste un petit récital pour les jeunes de ma banlieue, dans une maison de la culture. Vous avez parlé à monsieur Canetti? Mais parler de quoi? Du fait que mes jeunes n'ont pas un rond, mais que vos personnages les intéressent? Et je dirais même, votre univers intérieur, encore plus que vos mélodies. Mais mot, tout à fait. Un beau parleur. Bozo, Macpherson, la gitane, extraordinaire, avec lui, vous avez tout dit, tout. Et si on parle des mélodies, alors là, pff, quelle liberté d'inspiration, quelle variété des sources. Musique zigane, gigue, blues, et même des influences classiques, hein? Mon bonhomme, si tu prenais le temps d'avaler ta salive, le temps de t'occuper de mes fleurs. Ah oui. Jeune homme, on pourrait avoir de l'eau, s'il vous plaît? Monsieur Leclerc, votre succès, il vient surtout de vos textes. Quel souffle, quelle générosité. Ton eau. Merci. Vos textes, ils sont visionnaires et modernes. Mais si je peux me permettre, vous n'êtes pas un chanteur. Dufour, Jean, enchanté. Vous n'êtes pas un chanteur, mais un auteur, et un grand. Quand vous écrivez « Et les crapauds chantent la liberté », quelle symbolique. C'est vrai, je ne suis pas un chanteur. J'ai toujours dit ça. Mais on vous a jamais parlé de vos textes au Canada, monsieur Leclerc? Au Canada, on ne disait pas monsieur Leclerc. On disait « Qu'est-ce que c'est que ces maudites chansons plates ?» Monsieur, monsieur. À la porte de château, nous sommes entrés sans frapper. Des lutins tambours au dos nous attendaient pour danser. Sous une lune d'opale, nous avons ouvert le bal. Moi qui n'ai jamais su danser, j'ai dansé à perdre pied. Puis rendu à l'horizon, de beaux anges à cheveux longs ont avancé un nuage et nous ont poussé au large. On voyait d'en haut la terre, toute noire, pleine de misère. Toi, tu as dit, c'est nos frères, redonnons-leur la lumière. Donc nous sommes redescendus, puisque le soleil, je l'avais. À la foule, je t'ai rendu. Et le matin s'est refait. J'ai la promesse des anges
qu'après le jugement dernier, on reprendra ce bal étrange et pour toute l'éternité. On reprendra ce bal étrange et pour toute l'éternité. L'océan frémit au toucher de ton doigt. Que penser, mon ami, quand tu te donnes à moi? Passerai-je la nuit immobile comme marbre si tu prends comme lit mon hamac sous les arbres? Les fleurs de mon jardin se sont déracinées. On les voit le matin dans l'air se promener. Droit à l'âme. Pas à la tête, non. Au cœur, directement. Ah, vraiment? Quel bonheur, ce que vous me dites là. Justement, le bonheur, vous l'écrivez, vous le chantez. Qu'est-ce que c'est, le bonheur? Ah, le bonheur. Ça nous suit, ça nous précède. Ça marche rarement à côté de soi, comme vous, là. Mais pourquoi? Pourquoi ce serait comme ça? À cause de l'injustice. À cause de l'absurdité de la vie. De la fleur qui fane, tout simplement. Celle-là, évitez qu'elle perde ses pétales. Vous, avec la lumière de la jeunesse, vous ne craignez rien des ténèbres. Un vrai petit bûcheron. Dodo. J'ai pas pu aller au Havre, tu comprends? Ça fait un beau voyage. 5 jours de tempête, Félix. Vous avez pas été malade? Tout le monde, mais pas nous. Ah, on avait tellement hâte de te voir, il était pas question qu'on soit malade. Je pose les bagages à la réception. Attendez, je vais vous aider. J'ai quelque chose pour toi. Oh! Je peux faire une photo de toi avec ta belle auto? Ah non, ça c'est l'auto de Monsieur Canetti. Le monsieur qui nous a conduits? Non, le monsieur qui conduit ma vie. Mesdames, messieurs, la parole est à notre secrétaire. Le poète et romancier Pierre Macorlan. Chers amis, au nom de l'Académie Charles Cros, j'ai l'honneur et le grand plaisir de remettre à Félix Leclerc ce grand prix de l'Académie Charles Cros. Félix Leclerc. Cher Félix, nous récompensons ainsi votre inspiration
et la beauté de vos textes. Continuez. Vous êtes un homme de cœur. Le cœur seul est poète. Notre pauvre monde en a bien besoin. Merci. Ce grand prix de l'Académie, je le dois surtout à tout ce petit monde que j'appelle le blé derrière la grange et qui est bien plus important que les 3 ou 4 roses dans le parterre, la supposée élite. Ce petit monde, ces Français, ne m'auraient jamais connu sans M. Jacques Canetti, que je salue. Bravo. Monsieur Jacques Canetti a un sixième sens. Il découvre les gens, il les lance, et après, quand ils volent de leurs propres ailes, il reste seul, lui, dans l'ombre. Ça, c'est Monsieur Canetti. Il est formidable. Ici, tout le monde est amoureux de lui. Oui, je m'aperçois que mon mari a envoûté tout le monde. Oui. Et c'est une grande révélation, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Radio Canada. Parfaitement et en direct. 3, 2, 1. Bonjour le Canada, j'ai à mes côtés présentement Félix Leclerc. Qui vient de recevoir le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Monsieur Leclerc, vos commentaires. Cette récompense, je suis fier de la dédier à tous les Canadiens français. Bonjour à vous tous du pays. Bonjour aussi à l'ami Moffette. À Léo, mon père, bûcheron à la tuque, à Fabiola, ma mère, qui regarde du ciel, au Leclerc de la rue Saint-Joseph, à Tigeau et sa Jeannette de l'île d'Orléans, à Daudelet, le sculpteur, à André Vien, à Desglun, à Suto, ma Jeannine, à Macpherson, le draveur, à Bozo, le pêcheur, à Jacques Normand et Dulude, à Jutra, Devline, Garceau. Merci. Et les autres. Merci beaucoup. C'était Félix Leclerc en direct de Paris. Non. Je comprends pas, Félix. Grand prix du disque, et on est encore là à gratter et à tirer le diable par la queue. Doudouche, la renommée et la richesse ne vont pas forcément de pair. Oh, Félix. Ça t'a toujours gêné d'exiger ce qu'on te doit, hein? T'as l'impression de mendier. Toi, ta gloire te suffit. Papa, maman, un petit sourire. Je ferai une photo. Souriez, souriez! Oui? Oh, Félix. Ben, je vous croyais en famille, en pleine tournée des Grands-Ducs. Ayant chanté tout l'été, à la bise venue, le Grand-Duc se trouve fort dépourvu. Je vous dois de l'argent. À vrai dire, non, mais mes poches sont quand même vides. Bon, je vous fais une petite avance. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui vous tracasse, Félix, là. 12 tours de chant par semaine, juste le lundi de relâche. Ah, ben ça, c'est le métier, hein? Ben justement, M. Canetti, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi, ce métier. C'est le hasard, c'est vous. Ben, il s'y prend plutôt pas mal, le hasard, hein? Vous êtes déjà en pleine gloire. J'ai jamais vu quelqu'un grimper aussi haut, aussi vite, Félix. Jamais. C'est vrai. Tant qu'il y a un souffle, le cerf-volant grimpe. Mais quand le souffle s'éteint... Vous m'évitez, Félix? Si vous me fuyez... Non, mais vous toujours si rire, je ne vois plus que des nuages. C'est vrai. Des jours gris, tous pareils. J'arrive même plus à écrire une ligne. À une ligne? Il n'y a rien d'étonnant à cela, Félix. Vous avez besoin de vous ressourcer pour écrire des nouvelles chansons. C'est pas chanter mon but, Lucienne, vous le savez. Ah, ce vent. Comme un parfum du fleuve.
une odeur de liberté. Mais c'est vraiment si terrible. Vous n'êtes pas enchaîné quand même. Je suis enfermé dans le monde du spectacle. Et mes rêves, je ne les vois plus. Votre mari m'avait choisi parce que j'étais inspiré. Vous m'admiriez parce que j'avais une âme. Le public aussi. Mais vous l'avez toujours, votre âme, Félix. À fleur de peau, même. Dites-moi, cette grisaille, ces nuages, c'est à cause de votre femme? Quelque chose de plus fort. Plus fort qu'elle ou que moi. Mais quel tourment vous obsède? Peut-être l'obsession de l'inaccessible. Inaccessible. Vous entendez? Félix? Je sortirai dans ce pays vieux que sont mes naufrages. Quand je rentrerai dans ce pays neuf qui est ton visage, alors je fermerai les yeux et je réveillerai mes équipages, mes longs voyages. Quand j'étais fils de loup, pieds nus sans corde au cou. Quand j'étais fils du vent, étudiant trafiquant. Quand j'étais chez les filles, prince fou sans famille. Quand on m'a brisé l'os de la mâchoire. Et quand j'ai fui avec mes bosses au fond du continent. Pour éviter les fers de mes frères les hommes.